Bonjour, voici la nouvelle vidéo, suivez la flèche rouge. Vous avez choisi de mauvais présidents français. Voilà ce que nous dit Marie à Medjugorje. Chaque parti politique a des hommes et des femmes prêts à se battre pour gouverner. Mais voilà, ils n'ont pas de programme. Alors ils vont tout simplement demander à la franc-maçonnerie de leur proposer un programme pour la France. La franc-maçonnerie est très ancienne. C'est un groupement de personnes qui se protègent les uns et les autres. Ils réfléchissent sur ce qui est bon pour les hommes sur la terre. En réalité, leur seul combat, c'est contre l'Église catholique. Leur seul objectif, c'est de détruire l'Église catholique. Et actuellement, comme l'Église catholique est très affaiblie, ils s'attaquent aux idées catholiques. Le mariage, la différence entre hommes et femmes. Certains hommes politiques ont même dit qu'ils ne pourraient pas gouverner sans la franc-maçonnerie. C'est pour ça qu'on trouve certaines lois qui nous poussent à ne pas respecter les 10 commandements. Le travail le dimanche, par exemple, ou le droit d'insulter Dieu. Toutes ces lois, nous le savons, nous conduisent vers la souffrance. Car Dieu ne nous a pas donné les 10 commandements pour nous embêter, mais pour nous éviter de la souffrance. Donc plus on commet de péché, plus on va souffrir. Si ce n'est pas nous, c'est nos enfants, car nous sommes tous unis. Depuis les années 80, ou plutôt 1981, une jolie femme prénommée Marie, plus connue sous le nom de la Sainte Vierge Marie, vient nous enseigner la prière. Elle est apparue à des jeunes enfants, qui maintenant ont bien grandi. Sous son voile blanc, on voit ses cheveux noirs. Les jolis yeux bleus de la jeune femme regardent les enfants depuis bientôt 40 ans. Oui, le 25 juin 2021, cela fera 40 ans que Marie vient nous enseigner. En 2014, au bout de 33 ans, l'âge du Christ, Marie voulait arrêter d'apparaître. Mais voilà, on n'était pas prêt. Il a fallu qu'elle prolonge ses apparitions. Marie vient du royaume de Jésus pour trouver des apôtres de l'amour. Elle vient enseigner ses apôtres pour qu'ils enseignent à leur tour. Elle les pousse petit à petit dans la lumière. Toutes les personnes de bonne volonté sont les bienvenues. Marie accueille tout le monde. L'erreur des chrétiens, c'est de croire que la prière est facile, qu'il suffit de parler. Marie à Medjugorje nous dit qu'on parle beaucoup, mais qu'il y a très peu de prières. Ça veut dire qu'on ne sait pas prier. Sur 100 personnes, il y en a 2 qui prient réellement. C'est pas le voisin, c'est vous. Bien sûr, la prière vient de la parole, mais il faut que ça vienne du cœur, de vos tripes. Il faut que vous ayez l'impression d'avoir dit quelque chose de profond, de sincère et de vrai. Si vous avez prié avec le cœur, vous le savez. Si vous doutez que vous n'êtes pas sûr, c'est que vous n'avez pas prié avec le cœur. Souvent, dans notre cœur, il y a de la colère. Et c'est pour ça que vous ne voulez pas dire ce que vous avez sur le cœur. Vous avez peur d'engueuler le ciel. Vous avez peur d'engueuler Dieu. Vous avez peur de vous mettre en colère. C'est pas Jésus qui a besoin d'entendre votre colère. C'est vous qui avez besoin de le dire et de le donner à Jésus. Il va la transformer et vous libérer de cette colère. C'est son travail. Il va aussi déposer des trésors dans votre cœur. Car vous lui avez ouvert votre cœur. Et oui, comment ne pas être en colère quand on voit l'état du monde? Si vous n'êtes pas en colère, ce n'est pas normal. C'est Jésus qui veut que l'on ouvre son cœur. Et il sait ce qu'il lui demande. Il sait ce qu'il y a dans votre cœur. Donnez-lui ce qu'il demande. Il ne vous en voudra pas de libérer votre cœur. Au contraire, vous pouvez aussi ouvrir votre cœur à Marie. Elle est là pour ça. Elle est venue spécialement pour nous. C'est sa mission. Nous aider à prier. Jésus, avant de mourir sur la croix, a été fouetté. L'idée, c'était de le punir et de ne pas le tuer. Mais la foule a réclamé sa mort. Il a aussi été humilié. On s'est moqué de lui, car il était soi-disant Dieu, et il se retrouvait à moitié à poil dans une prison. Il a mangé de la nourriture dégueulasse, et il a subi d'autres humiliations. Après, il a porté une lourde croix, pas juste une poutre, mais une croix. Elle était si lourde que la peau a été arrachée sous le poids de la croix. Elle était si lourde qu'il est tombé 3 fois à cause du poids de la croix. Une personne plutôt costaud
qui venait voir le spectacle et qui n'avait rien à voir avec ces événements a été obligé de porter la croix de Jésus. Plus tard, Marie a échangé un regard avec Jésus. C'était peut-être le regard d'amour le plus fort du monde. Marie ne comprenait pas. Son enfant donné par le ciel était massacré en place publique. Elle ne comprenait pas, mais elle faisait confiance, même à ce moment précis. Les femmes pleuraient et Jésus s'est moqué gentiment. « Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous. Car s'ils m'ont traité ainsi, comment ils vont vous traiter ?» Véronique, elle a essayé de soulager Jésus en essuyant simplement son visage. Et elle est repartie avec le portrait de Jésus. Arrivée à la croix, ils l'ont cloué pour que Jésus ne fasse qu'un avec la croix, pour que le symbole de la croix puisse traverser les siècles. Et Jésus a tellement saigné que le sang a pénétré dans la croix. Chaque blessure de Jésus était une attaque du mal, aussi bien physique que symbolique. Le cœur, c'est l'amour. Les mains, c'est l'action. Les pieds, le chemin. La couronne, l'intelligence. Jésus a résisté à tout ça. Et il est mort, il a quitté son corps pour aller en enfer. Et 3 jours après, il est revenu dans son corps pour repartir au ciel. Un miracle chez Maria Lourdes. Cher enfant, mon fils était source d'amour et de lumière quand, sur la terre, il parlait au peuple de tous les peuples. Mes apôtres, suivez sa lumière. Cela n'est pas facile. Vous devez être petit. Vous devez vous faire plus petit que les autres. Et, à l'aide de la foi, vous remplir de son amour. Sans la foi, aucun homme sur la terre ne peut vivre une expérience miraculeuse. Je suis avec vous, je me révèle à vous par ces venues, par ces paroles, je désire vous témoigner mon amour et ma sollicitude maternelle. Chers enfants, ne perdez pas votre temps en posant des questions auxquelles vous n'obtiendrez jamais de réponse. À la fin de votre vie terrestre, le Père Céleste vous les donnera. Sachez toujours que Dieu sait tout, que Dieu voit, que Dieu aime. Mon Fils très cher illumine vos vies et disperse les ténèbres. L'amour maternel qui me porte vers vous est ineffable, mystérieux, mais réel. J'exprime mes sentiments envers vous. Amour, compréhension et bienveillance maternelle. De vous, mes apôtres, j'attends des roses de prière qui doivent être des actes d'amour. Ce sont les prières les plus chères à mon cœur maternel. Je les présente à mon fils qui est né pour vous. Il vous regarde et vous écoute. Nous vous sommes toujours proches. C'est un amour qui appelle, qui unit, qui convertit, qui encourage et qui remplit. C'est pourquoi, mes apôtres, aimez-vous toujours les uns les autres et par-dessus tout, aimez mon fils. C'est le seul chemin vers le salut, vers la vie éternelle. C'est ma prière préférée qui remplit mon cœur
d'un magnifique parfum de rose. Priez, priez, toujours pour vous, berger, afin qu'ils aient la force d'être la lumière de mon Fils. Je vous remercie. Message de 2017 à Medjugorje. Prions pour bien vivre la messe de dimanche prochain. Fermez les yeux et répétez après moi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ouvrez les yeux et regardez la création. J'ai très peu de moyens. Mais vous pouvez faire un geste pour m'aider. Vous trouverez toutes les infos pour me faire un don dans la description sous la vidéo. Si vous voulez me contacter en privé, pour me transmettre un commentaire, une question, une photo, un miracle, voici mon adresse mail remy.croassier@orange.fr. Cette vidéo est vraiment super géniale. Enfin oui, elle est bien. Alors si vous avez aimé, abonnez-vous en cliquant sur le petit A. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.